L'autre bagay positif 2021, c'est que la fait tout pour nous fermer la carreau que tout n'est dans la logique de la virtuelle ça. Il vient développer sens artistique jazzio, artistio au niveau de présentation yo devant public. Parce que lors devant caméra, laissez son écran téléphone y a regardé ou pas apparaître n'importe gens. Son show up offrir obligé mettre lumière là-dedans, obligé mettre couleur là-dedans, obligé mettre danse là-dedans, obligé même si t'es un pile qui était caricatural, même si t'es un pile show qui pas de bon, j'en nous dit là, mais la majorité des shows t'es des shows qui étaient acceptables. Et en ce sens, j'étais étonné moi-même avec mon regard critique qui parfois selon certains paraît exagéré. Moi obligé de reconnaître que monsieur yo donc, je nous dis, ça a été presque. On s'en fout. Au niveau des lives, je nous ai dit que la majorité live était bon. Il y a un qui était un tout petit peu catastrophique, mais il n'y a pas tant pile. Il va falloir que nous parlions de live qui, quand même, te vaut la peine pour nous parler de eux. Tropicana font live qui à tous les niveaux tombe live. Sinon, que dans live, Tropicana te peut-être joué musique qui est trop longue. Je trouve ça dommage. Parce que nous faisons toute période live en Abdil que nous avons dit confond fait balle avec entrer dans le concept de show télévisé. Septembre font un superbe live tout. Magnum Ben font un bel live. Même là, au niveau du déco artistique, nous ne pouvons pas dire que Magnum Ben a un podium qui était extraordinaire. Mais nous estimons que pendant toute période de live, ça, Magnum Ben, c'est jazz qui était géré avec beaucoup plus de professionnalisme en tenant compte de la réalité de ça au tapfer qui était aussi simple que ça, un show télévisé. Donc Magnum Ben fait un show qui durait à peu près une heure de temps et demi avec deux musiques qui pas dépassé 7 minutes. Donc Magnum de font live qui propre avec une performance musicale de haut niveau. Il y a eu des lives qui ont déçu, c'est le cas pour le live du System Bend. Il y a eu des lives qui ont déçu, c'est le cas pour le live de Jakout Number One. Il y a eu des lives que nous tapons plus bagaille de yo. Qui peut-être pas ban tout ça nous tapons, mais qui pas mauvais du tout, c'est le cas pour le live de Zafem. Il y a eu des lives qui, à la rigueur, étaient assez mal présentés, mais qui, cependant, sur le plan musical, nous ont gratifié de quelque chose de positif. C'est le cas pour le live du groupe Design. Si au niveau du décor, c'était à la rigueur laid, n'en déplaise à nos amis de Design. En termes de spectacle, Live Design, là, tout simplement, était laid. Mais au niveau du contenu musical, nous avons jazz qui a joué extrêmement bien. Cap joue un compas direct de haut niveau et ça nous a fait beaucoup de plaisir. Il y a eu le live de Woody Woodboy qui, selon moi-même, fait partie des meilleurs également. Même si que ce live a été un tant soit peu galvaudé à la conclusion, mais au début, c'était carrément une œuvre presque parfaite avec Original George au sommet de sa gloire, super créatif. Il y a eu également le live. J'ai parlé de Woody Woodboy. Il y a eu le live de Darlene Desca, le premier live de Darlene Desca, qui était très bon tout. Le live de BIC, qui était très bon tout. Le live de Fantôme, qui pratiquement a lancé les hostilités, qui était un bon live tout. Avec une équipe musicien de très bon niveau qui était accompagné Fantôme, la Aventurosa. Il y a eu le live de Isolant également, qui était un live sur le plan technique et sur le plan décor qui te répond à l'exigence, genre de musique que l'a joué. Mais à côté de tout ça, nous dit là, est-ce qu'il y a un live que je n'ai pas mentionné? Est-ce qu'il y a un live que je n'ai pas mentionné? C'est qu'il y a un monde qui songeait. Et Yadim. Et
Mais un live qui pour moi-même retenu attention plus que toute live. J'aime dire il y a pas mal permettre moi me dire c'est le meilleur. M'pas gain droit ça parce que pour Zumba c'est meilleur. C'est leur chita avec des experts dans le domaine et puis chita qui répertorie toute live yo et puis qui parle dit voilà les critères de live la lumière et bah qu'on est et scénario script et son point de créativité et puis mettez chaque sous point et puis à partir de ça on sortir avec qui vidéo qui meilleur live là. Donc m'a dit que selon moi même dans lecture moi là ça me connait live qui était plus rivé sur moi c'était live Tien Citoa que si moi me d'ab bay on prime de meilleur c'est live Tien Citoa qui t'a venir la tête moi en toute première position. Mais m'a souligné que l'aime dit t'a venir la tête moi en toute première position analyse moi il basé essentiellement sous de considération d'ordre technique. OK, non seulement réalisation technique là, plan d'image, position, lumière, tout bagaille ça. Deuxièmement, basé sur des éléments plastiques, ça veut dire créativité artistique sur le plan plastique, sur le plan esthétique, mais il pas basé sur le plan musical personnellement. Si m'ta baye un prime pour meilleure performance live sur le plan musical là, c'est Magnum Ben d'abaille personnellement qui pour moi-même te font performance sur le plan musical qui était un sans faute. Deuxième nom d'abaille c'est design d'abaille, c'est m'ta font deuxième. Ouais, c'est m'a fait classement pam. OK, mais on va voter la logique ça, m'a dit tout simplement ça m'était pire meilleur. OK, gros ami qui dit harmonique pas de bon du tout. Et OK, effectivement harmonique est pas très performant. Et la performance visuelle, virtuelle, excusez-moi. Donc c'est ça. Donc Anessa t'es définitivement marqué en pile par faire live yo. Qui parle vient perdre force pour la suite. Les monde commence à sortir, monde commence à prendre la rue. Donc on te gagne toute baie influence ça au live qui fait plus monde, live qui perd du l'argent. On en a parlé suffisamment autour de cette année. Mais il fallait que nous fassions un retour parce que live qui était quelques jours déjà pour nous signaler quand même de moments qui quand même étaient quand même des moments forts de l'année 2020. Allons belle année ça va. 2020 et nous sommes parlé de surtout aspect positif 2020 yo, si on a présumé, on a dit que et activité live virtuelle là était quelque chose de très utile. Remerciement à tout musicien qui a participé le projet fait des live virtuels. Yo pote un pile bonheur en vino, yo pote un pile cœur content, yo pote un pile apaisement pour nous dans moment difficile ça. Et en ce sens, je pense que nous supposé rendre hommage et dire yo merci. OK. Il y a eu beaucoup de négativité justement pendant année 2020 ça tout. Pendant année 2020 ça. Et sous réseau yo. Et faut nous y aller tout en toute honnêteté, et faut nous y aller tout. Et à part que me pensais que malgré tout le positif a pris le pas sur le négatif ou bien sur la négativité. Et mais il y a un peu de négatif qui fait sous Anessa. 2020 marqué par un réseau dans le domaine culturel là et avec un nouveau slogan est-ce que Gézin. Et un pile campagne de destruction faite en pile monde soit pile monde pendant la période 2020, c'est évident que l'était commencé avant mais elle vient renforcer souvelé Anessa. Parce que justement, il y a un pile monde qui est disponible sur le réseau. Et un pile monde qui généralement pas de gain pour faire, dès qu'on a fait activité ça. Parce que moi, c'est rien pour pas rien pour faire, pour monter sur le réseau, pour détruire le monde, pour faire des informations, pour avoir des mauvaises nouvelles. Il y a un pile mauvaise information, il y a un pile fausse information, il y a un pile méchanceté, il y a un pile destruction. Et une avidité qui est inutile son série de artistes. L'autre bail qui est négatif encore, c'est l'incompréhension et manque, est-ce que je suis capable de dire compassion et manque de respect justement par rapport à l'effort qu'un pilatiste
a fait que me trouvé personnellement qui est injuste, mais pas seulement artiste, c'est pratiquement de monde qui d'une manière générale dans le secteur artistique. Il y a des gens qui prennent position, des gens qui pour ou contre, bah la vienne polariser, et à partir de ça, on vient des super vedettes et qui pratiquement viennent plus importants pour la société. Je dis plus importants pour la société. Ils viennent plus attention sur eux, ils viennent plus vue sur eux que deux artistes qui, dans toute l'acceptation du terme, répondent à toute prérogative qu'un artiste doit gagner. Ça veut dire qu'il y a deux artistes là qui pas ta doué plus populaire que Bakonnen, que Tamara Souffré, ou bien que Mistigeant, ou bien que Queen B. Si c'est de musique n'a pas parlé, faut bien comprendre ça m'a dit. Si c'est de musique n'a pas parlé. Nous pas dire chanteuse qui pi mal yo et puis c'est qui pi populaire. Nous pas dire que chanteuse qui pi mal yo c'est yo qui gagne plus contrat ou bien qui gagne plus sponsor. Un problème sociétal li, c'est pas un problème qui concerne nous. Mais il y a un rapport à public là quand même. Il y a la qualité de l'auditoire. Vous exigez quoi exactement d'un artiste? C'est quoi vos exigences vis-à-vis de l'artiste? Moi, c'est que font un petit bac parce que si nous n'avons pas fait un petit bac quand même, nous arrivons à côté que production artistique noire, c'est zipidibim, zipidimbo, que la banzelma. Nous arrivons côté que nous avons tué de projets que nous avons fait. Nous arrivons côté que nous avons tué de projets que nous avons fait. Nous arrivons côté que nous avons tué de projets que nous avons fait. Nous arrivons côté que nous avons tué de chanteuses que Queen B, que Tamara Souffré. La médiocrité n'a jamais été aussi à l'honneur que Jean Théié pendant 2020. Jean-Baptiste Ladjoula, c'est la victoire de Bouki. Il n'y a pas à continuer comme ça. Moi, je pense qu'il y a une place pour tout le monde. Mais Jean-Baptiste Ladjoula, je pense qu'il faut nous créer un sac de sécurité autour de nous, côté que nous avons une exigence que nous fait à monde qui choisit pour entrer dans le domaine artistique là. Parce que son marchandise vient offrir nous. Même là, son marchandise qui est commercial pour parler de tant qu'on appelle le monde, mais son marchandise quand même qui peut appuyer son certaine qualité. Donc, si vous voulez prendre samedi à Wal de Formule, ça c'est job pas. Mais samedi, je vais parler avec certaines réserves, mais samedi là, c'est ligue bon, c'est ligue vrai. On essaie de rap faire rap bien. On a choisi faire Raboda, il fait le bien. On choisit ses compas dire quoi bien jouer le bien. On choisit qu'on c'est artiste fort ou répondre à la définition artiste là qui c'est une création artistique. Si on choisit pour faire musique ou répondre à la définition musique là. Qui définition plus simple c'est l'art de produire des sons agréables à l'oreille. On sait de monde qui a chanté là, si nous trouvons que son y a émettre là, c'est de son qui est agréable à l'oreille. Ça, laissez-nous avec conscience nous et avec honnêteté nous. Même là, nous reconnaître que le domaine artistique là, nous avons dit que nous avons une certaine relativité. Parce que la chose varie en fonction des goûts. Mais il faut que nous honnêtes tout, que si nous faisons une analyse que nous faisons de manière pragmatique, avec toute honnêteté que ça comporte. Là, par exemple, au monde qui font musique, qui gagne 3 millions de monde, qui gagne 4 millions de monde, qui gagne 5 millions de monde, qui gagne 10 millions de monde qui gardent, qui pète le plafond, et puis mélodie, musique, ça paraît la tête personne. Musique là pas un hit. Donc, il y a l'autre raison que fait la donne, et pas musique. Lié. Et me rappeler que, comme c'est de musique n'a pas parlé, ma préoccupation reste musicale, je ne gagne rien à personne de particulier. Ok? Je prends un sito qui sont à chanter là. Petit garçon, petit bon ami. Même clairement dit, monsieur, formez ton l'autre chanteur bon koto. Parce que l'activité chantée, il n'est pas fini tout bon pour vous. Clair sous ça. N'a rien fait toute ville, il traverse le temps, il fait succès, il fait tout l'argent.
Mais ça ne veut pas dire comme si que l'histoire est pour le retenir comme un gros chanteur génération ou quoi que ce soit. Parce que la temps moderne, avec Internet, avec réseau, avec Kobou Café sur YouTube, avec toute qualité de bagaille, Livin tuer création artistique là, parce que ou capable de faire comme là sans qu'on parle de production artistique de niveau. C'est un problème mondial que lié. Mais il faut qu'on pose des problèmes dans nous-mêmes. Si nous voulons que ça te caractérise nous en tant que peuple et qui te fait force nous. Nous avons Martinique, Zola, Yvala, Tata Lolo, Jérémy. C'est parce que Haïtien te produit bonne musique. La musique des frères des gens de Pétionville, la musique du Deep Express, la musique de Scandale, la musique de Zeclé. Plus près de nous, la musique de New Look ou de Classe, c'est de la bonne musique. Et c'est de musique qui renforce aura nous sur le marché international. De la bonne musique. Donc là, nous arrivons côté là, nous avons quelques temps, comme c'est m'a dit, que production musicale là, au niveau de la qualité, c'est un peu n'importe quoi. Ça se compte sur le bout des doigts combien de musique ou qu'a sélectionné pour dire que ça c'est bon musique. Non. Nous pas demander pour monde faire musique tant qu'on frère des gens, nous pas demander pour monde faire musique tant qu'on Deep Express, nous pas demander pour tout monde chanter tant qu'on Emeline Michel ou bien Carole Demis. Mais nous demander qu'on minimum pour monde gagner pour venir chanter sur monde, même j'ai demandé qu'on minimum pour nèg gagner pour venir dire ou son directeur d'opinion ou faire émission radio et pour parler pour monde dans l'eau. Ou gen droit gen moun kap tando, mais faut gen moun ki ka di ah mon cher koto yi a babou. OK. Faut gen moun ki ka di. Donc quel que soit l'an moun nou gen pou type de artiste sa yo, si nou reme yo vrai, n'ap exige yo pou yo bonifier sa affaire. Pou yo apprendre sa affaire, pou yo gen des conseillers qui pou mete yo sur la bonne voie. Parce que la musique, ça s'apprend. Chanter, il y a un talent naturel là, kaou. Mais même les gens qui connaissent chanter pour des professeurs de chant. Je n'ai pas besoin de pour les gens qui ne connaissent chanter du tout. En attendant, il est trop facile pour les gens qui lèvent des matin pour décider de chanter. Il est trop facile pour les gens qui lèvent des matin pour décider de son animateur radio. Ou bien il est trop facile pour nous paraître là ou acheter du tout matériel, j'aime faire la lorme et mettre ton micro devant bouchou et pour faire émission et puis pour qu'on y ait pour parler de représentants de la presse pour citer nous en tout. Il n'y a pas comme ça. Il n'y a pas comme ça, il vient dangereux. Il vient dangereux parce que l'a tué qualité dans tout compartiment jouet. Et vous après, vous côté que deux nectars comme cap faire radio. De chanteuses tant qu'Tamara Suffren, de artistes en dimension BIC, en dimension Bello, en dimension Jean Roosevelt, en dimension Queen Bee, en dimension Calib, n'a pris vos côtés à tout nos espèces en voie de disparition. Parce que la qualité ne paie pas dans ce pays, dans la société ça que nous relais, une société moderne. Nous pas qu'après médiocrité que nous présentons comme une modernité. Ou bien nous dit bah yo pas ta carrette même genre, pas de ça n'a pas parlé. Fais changement qu'on veut. Sou penser qu'on doit faire changement. Mais ouais, dans quelle mesure que un d'un changement on voulait faire que la qualité dit toujours fait partie de choix bataille. Il y a des choses qui sont acceptables. Il y a des choses qui sont inacceptable lorsque n'a parlé de art, les n'a parlé de musique, il y a des bagages qui inacceptable. Il y a des choses qui ça veut dire que même le marché mondial là, il y a des artistes internationaux qui passent, qui percent sans être des chanteuses extraordinaires, mais qui gagnent minimum. Mais là ils vont compter que nous avons des artistes qui paguent minimum et puis n'a fait des super vedettes de la musique. C'est ça qui choque. Faire de yo des super vedettes qui gagne de très beaux culs, ça pas déranger personne. Faire de yo des super vedettes de la danse ou bien du gouillade, ça pas déranger personne parce que yo gagne talent vrai. OK, faire de yo des super vedettes de la comédie, il pas déranger si yo gagne talent comédien. Mais faire de yo des super vedettes de la musique par rapport à toute lacune ça yo,
excusez-moi, quel que soit l'amour qu'on a pour lui, c'est culture pays qui va faire mal là. Vous êtes complice en tout cas de culture pays, parce que la musique fait partie inhérente de notre culture, qui a fait fond de plus en plus par rapport à qualité production.